Interview. Timothée Cestis est jusqu'à une finale ce samedi 9 septembre au quiz des champions diffusé sur France 2. Celui qui a brillé aux 12 coups de midi s'est confié à Télé Loisirs. Il a été l'un des hommes forts des 12 coups de midi. En 2017, Timothée a remporté 353 348 euros de gains et de cadeaux en 83 participations. L'agriculteur de l'Aveyron, qui s'est illustré également dans Question pour un champion sans connaître la même réussite, revient ce samedi 9 septembre à 21h10 dans le quiz des champions présenté par Cyril Ferraud. Pour sa seconde participation, le candidat de 30 ans a été un adversaire redoutable, puisqu'il a réussi à se hisser jusqu'à une finale contre Enzo, le recordman des victoires du Grand Slam. Si est-il finalement ce dernier qui a remporté le trophée 20 000 euros à reverser au SIDAC Sillon. Pour Télé Loisirs, l'ancien maître de midi a fait le bilan de son aventure. Timothée à propos du candidat du Grand Slam, Enzo a été chercher sa victoire Télé Loisirs, vous avez frôlé la victoire pour la seconde fois. Comment avez-vous vécu cette deuxième place? Timothée, ça laisse un goût un peu amer dans la mesure où finalement, ça s'est joué à pas grand chose. L'année dernière, j'avais été battu assez nettement. Là, c'était une occasion en or d'accrocher une belle victoire. Mais avec un petit peu de recul, je suis content d'être arrivé jusqu'à une finale. C'est un jeu où il y a du niveau avec des candidats qui ont tous une très grosse culture générale. Qu'est-ce qui vous a manqué selon vous? Il y avait des réponses sur certaines de mes questions que j'aurais pu avoir en réfléchissant mieux. Parfois, il y a un peu de chance sur le tirage des questions. Il y a aussi un peu de fatigue. Le tournage est long et ça a pu me jouer des tours. Mais Enzo a fait un très beau parcours de la première à la dernière manche. Il a été chercher sa victoire et il l'a totalement méritée. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rempiler au quiz des champions? Le concept de l'émission est très intéressant. Ça m'a permis de rencontrer des candidats d'autres jeux télé et de me confronter à eux. Les manches sont variées aussi. Il y a tous les ingrédients pour passer un bon moment aussi bien du point de vue des candidats que des téléspectateurs. Est-ce qu'il y a un participant que vous redoutiez particulièrement? Parmi ceux que je connaissais, il y a Paul, El Rarat, note de la rédaction, que je redoutais particulièrement parce qu'on s'est déjà croisé. Il y a aussi le niveau incroyable de Nicolas que j'avais suivi dans le dernier Question pour un champion. Mais dans ce jeu, il n'y a pas de candidat vraiment inférieur. Timothée revient sur le combat des maîtres, les 12 coups de midi, l'aspect compétition passe au second plan. Est-ce que vous aviez suivi une préparation au quiz des champions? Pour être honnête, non, je n'avais pas trop le temps. J'essaie quand même de garder un peu d'entraînement pour les jeux en les regardant et en essayant de répondre, mais je n'avais pas fait de préparation spécifique. Vous êtes aussi revenu cette année dans le combat des maîtres qui rassemble les grands champions des 12 coups de midi. Diriez-vous que le quiz des champions est plus difficile? Si est-il dur à comparer? Il y a énormément de champions des 12 coups de midi qui auraient leur place au quiz des champions. Mais le combat des maîtres, si est-il un peu plus orienté sur du ludique, sur des retrouvailles entre amis parce qu'on a formé une très bonne bande. Donc personnellement, quand je vais aux 12 coups de midi, je dirais que l'aspect compétition passe vraiment au second plan.
CIST surtout pour retrouver les copains. Timothée voudrait-il retenter une nouvelle édition du quiz des champions malgré sa défaite? Il répond: avez-vous eu l'occasion de côtoyer Cyril Ferraud hors antenne? On discute un petit peu parce qu'à chaque fois, Cyril Ferraud vient voir les candidats avant la participation. Il vient nous mettre en confiance, nous saluer et nous remercier pour notre participation. CIST sympathique de sa part. Vous aviez évoqué votre célibat dans les 12 coups de midi. Pourriez-vous candidater à l'amour et dans le pré? Non, je ne me vois pas du tout y participer. Quand je suis à la télé, CIST pour jouer. Je préfère garder ma vie personnelle pour moi. Projetez-vous de participer à un autre jeu télé? L'année prochaine, j'aimerais bien retenter ma chance à question pour un champion. Mais ce n'est pas du tout une idée fixe parce que j'ai une vie bien remplie. Participer au jeu télé, CIST très passionnant mais ça prend du temps donc il faut que j'arrive à m'imposer des barrières. Êtes-vous tout de même partant pour un nouveau numéro du quiz des champions? Bien sûr, si j'ai la chance d'être invité.